Après avoir été boxeur, puis militaire, Squeezie se met aujourd'hui à une activité plus virile que ses deux dernières réunies. C'est là que je suis censé dire une punchline. Messieurs, dames, une table de ping-pong était trop chère pour nous. Du coup, on a acheté un HTC Vive, ce qui est plus cher. Aujourd'hui, on est sur un jeu de ping-pong en VR. C'est parti, bitches! Nique sa mère. Ok, alors écoutez, on est sur Eleven Ping Pong, je me souviens plus du nom. Un jeu auquel on peut jouer en multiplayer contre d'autres joueurs dans le monde. Le problème, c'est qu'on a essayé tout à l'heure et qu'il y avait personne qui voulait jouer au ping pong en ligne. Heureusement, l'option jouer seul comme un puceau est présente. Clément, est-ce qu'on est un amateur, un semi-pro, un professionnel, ou est-ce qu'on est un joueur de légende? Légende. Tu t'enflammes un peu, gamin, là. Professionnel, ce sera un excellent début. Allez, on y va. Attention, service. Attends, c'est le début, c'est normal. 1-0 pour lui, Clément. On y retourne. Ouais, oh, il prévient même pas. Oh, le mauvais joueur. Toi, je vais dissecter toutes tes vidéos. Attends, j'arrête pas de rater. Mais après, en fait, le casque, il est pas très stable. De toute façon, tu sais quoi, je vais te dire un truc. La musique a été grave nulle. C'est vrai. Ça dégage. Ok, 3-1 pour lui. Là, on se saisit. Tu connais la génoise? Putain. Mais en même temps, je suis un babtou, je fais un truc d'asiat. Qu'est-ce que... Putain, mec, je me fais démolir la gueule, c'est terrible. Pourtant, je suis un professionnel, je suis un joueur de légende, je jouais contre les plus grands. Je jouais contre David Lafarge, mon pote. Et ouais, c'est faux. 7-1, bon, bah, ça va, on est bien. Comme on dit, rien n'est jamais perdu. Mais merde! C'est bon, c'est fini. Bon, soit faire un petit rematch. Échauffement terminé. C'est parti. Vas-y, Serge, m'en bats les couilles. Hop là. Non, là par contre, mec, c'est trop mal fait. Mec, je vais faire des grosses matchs. T'es prêt à avoir des grosses matchs? Putain! J'ai pas touché la balle. Oh putain. 8-0, c'est pas grave. Rien n'est perdu. Regarde. T'as vu ou pas? Je nique un pigeon. Ok, joueur professionnel, tu vas voir. Hop là. Putain, c'est super mignon ce qui se passe. J'ai acheté la tenue et tout et je veux... Allez, un partout. C'est le début de la victoire pour Lucas Auchard. Bon, j'avoue, j'ai changé de difficulté, j'ai mis en amateur. Oh, le mec est fan, c'est un vieux gars. J'ai mis en amateur, mais ça me permet, vous voyez, de comprendre un petit peu comment ça marche le ping-pong en réalité virtuelle, puisque ça n'a rien à voir avec le ping-pong en réalité tout court finalement. Je pense qu'il faut rester stable en fait. Regarde, je vais rester stable. Regarde la stabilité. Tu vois ces jambes de grenouille? C'est des piliers. Zoom dessus. Franchement, je suis over ridicule, mais mec, depuis que je fais ça, je gagne. Autant dire que je vais pas la lâcher cette position. Allez, ça marche trop bien. C'est ridicule. En plus, j'attrape un peu froid aux boules parce que l'air passe et on s'en fout. 8-6 pour lui. Putain, il remonte, Clément. Je peux pas perdre contre l'amateur. Ok. 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 Bloqué. T'as vu? T'as vu la technique du... je change une lettre? C'est fou, hein. Oh! Oh, il est chiant, Clément! 9-8! Allez, c'est 11 points, faut que je gagne celui-là. Oh! 9-9, Clément, c'est incroyable, je vais battre un amateur. Il fait quoi? Non, mais Clément, c'est un vieux gars, mais vraiment. Et attends, j'ai peur, j'espère qu'il m'envoie un truc dans les boules. Mais il est pas marrant. Mais cet homme est pas drôle. C'est vrai que cet homme joue au ping-pong, c'est qu'il, dans la vie, il ne peut rien faire d'autre. Oh, il rage! Casse pas la raquette, bâtard. C'est le club qui te les prête. Oh non, j'ai voulu se matcher! Balle de match. Clément, tu crois en moi? Ouais! Ouais! Quoi? C'était pas 11 points? Mais c'est un sketch, mec! Ah, faut 2 points d'écart! Mais Clément, pourquoi tu me le dis pas? 2 points d'écart! Putain, c'est pas grave. Tu vois les piliers? Ils sont en place. Je suis concentré. Je suis en train de tryhard, mec, dans un jeu de ping-pong virtuel. Ma vie, c'est ça! Attention. Oh ouais, c'est passé. Allez, oh, il rage de ouf, mec. C'est parti, là, faut que je gagne celle-là. Win. C'est la win. Merci. Allez, on est chaud, on part sur un match en semi-pro. La grenouille. Oh, il est chaud, mec. T'as par contre, le poids, il dure beaucoup trop longtemps, Clément. Ah non. En fait, le problème, c'est les coups droits. Je trouve ça super dur de doser le, t'sais, l'effet que tu mets dans la balle. Non. Je veux envoyer du rêve aux gens, je veux mettre un smash. Je mettrai un smash avant la fin. Putain! C'est pas grave, je remonte. 6-1 pour lui, mais je remonte, Clément. Oui! Oui! 6-2! C'est le début d'une grande remontée. Bah, mec, pour de vrai, les matchs, c'est impossible. 9-2. 9-2, c'est quoi? C'est l'autre scène, ça nous fait plaisir. Voilà, super. 10-2, c'est quoi? C'est la défaite. Allez, on peut remonter. Balle de match pour lui, on peut mettre 8 points. 10-3, c'est parti, Clément! Opponent wins. Ah. Tu sais ce qui s'est passé, Clément? Tu vois ces jambes, c'est quoi? C'est des piliers actuellement. Et il faut que ce soit quoi? Des grenouilles! Rematch! Mec, je veux gravir les échelons. Comme un chanteur après The Voice. 1-0 pour lui. Ok. Ce qui est drôle, c'est que plus il met une branlée, plus il devient nul. Ça, c'est assez bien fait. C'est-à-dire que les développeurs, ils se sont dit, bon, les mecs sont nuls, on va quand même avoir un peu pitié d'eux. Oh, ça joue bien là. Oh là là, t'as vu, j'ai fait un début de smash. Attention, le vrai smash arrive. Oh oui! Oh le smash! Je suis là, tu m'as ralenti, tu mets des effets, tu mets Justin Bieber par-dessus, tu fais. Merde. Mec, je me dis dans la vraie vie, je dois tellement être une grosse merde à ce moment précis. En train de faire ça dans le vide, mais je suis sûr, c'est hyper important, faut que je gagne contre ce loup-garou. Oh mec, je suis en train de dominer, 4-3. Tu vois, le sport c'est aussi beaucoup de morale. Si le moral suit pas, le physique suit pas. C'est pas ça, je voulais dire si le moral va pas, le physique ne suit pas. Ok, 10-3, Clément, balle de match. Allez, service, hop là, c'est mort.
Oh bâtard. T'inquiète, tout petit smash. C'est pour vous, attention, smash. Oui. Allez. Allez, à plus. Bon mec, il est temps de passer à quelque chose de plus sérieux. Professionnel ou légendaire? Je pense qu'on peut dire qu'on est des professionnels, ça fait 5 minutes qu'on joue. Allez, on est des pros. Wow! Wow! Il a coupé les galets, mon gars! Non mais mec, il me met des balles! C'est des fusées! C'est des fusées! Tu vois SpaceX, la société? Bah il sponsorise ce mec! Allez, balle de match pour lui, c'est parti, on remonte, on l'a laissé croire. Allez, fini. Et il danse. Oh, j'ai envie de l'exploser. Il est virtuel, hein, mais j'ai envie de l'exploser. Rematch, c'est parti! Oh, je lui ai mis un point! Je lui ai mis un point, c'est la victoire! Je lui ai mis un point. On équilibre les games, ça fait que j'ai gagné. Alors, on est donc maintenant en catégorie presque légendaire. Ça va être incroyable. Oh, bien joué, il fait des balles longues. Mais mec! Non mais, ce n'est pas possible. Tu vois ces petits mouvements vifs là? C'est quand il m'explose. T'as compté combien j'ai fait de mouvements vifs comme ça? Bah c'est le nombre de fois où il m'a explosé, autant dire que... Allez, 11-0, c'est parti. Oh, le mec, il met une carotte! Il me met une carotte dans le jeu! Eh, le smash, le smash. Mais non, il me remet une carotte! Il me remet une carotte, Clément! Putain, il me remet une carotte! Non, mais mec! Ah! Mec! Tricherie! Ma raquette passait à travers la balle, mec! Regarde! Clément, 18 fois ma raquette est passée à travers la balle. Y'a un problème avec ce jeu ou pas? Ah, moi, faut pas déconner, hein. Et il me remet une carotte! Je viens de remettre le casque, il m'a remis une carotte! Qu'est-ce que tu vas faire face à mes smash? J'ai gagné. Voilà, c'était mon arbitre, j'ai gagné. Si cette fin de vidéo ne te plaît pas, bah je comprends. Alors, vous savez quoi, si j'ai pas cette vidéo sur le jeu de ping-pong, c'est hyper immersif de ouf. Et en fait, dès que le jeu atteint une certaine vitesse, j'ai l'impression qu'avec la latence des capteurs, etc., il galère un petit peu à... C'est une excuse de rageux ou c'est crédible? Ouais, c'est une excuse de rageux. À la prochaine vidéo, merci de me regarder, portez-vous bien. Si vous voulez faire du ping-pong, franchement, 20 balles par mois, au club près de chez toi, c'est mieux, t'as vu. Abonnez-vous.